Hey, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures après avoir tué ce psy scientifique complètement barjot avec ses porcs et ses mines. On se retrouve à devoir donc désactiver le système de sécurité et à se casser d'ici. Tout simplement. Alors je me retrouve avec un costume jaune après le rechargement de ma partie. J'ai toujours pas compris pourquoi. Mais C'est hyper ça bizarre va de se déplacer pas comme ça. trop. Aucune idée. En tout cas, chez moi, ça se fait pas. Ça va pas trop me déranger personnellement. Le principal, c'est que je puisse arriver à désactiver le système de sécurité sans me faire repérer. C'était énorme. Voilà, on va y aller C'est le direct. pire mois de ma vie, mais ce soir, ça va devenir le plus beau jour de ma vie. Ok, Sans voilà, chier, système ça commence déjà. de sécurité désactivé. Et là, on va passer, hop, par ici, pour passer derrière le garde. Regardez sur la map à gauche, il y a un petit garde qui est derrière son PC. Hop, nous, on va passer tranquillement comme ça. Ok. Ok, là on passe vite fait par là. Mais il n'y a rien à récupérer, donc on peut se recasser assez rapidement. Et hop, on va partir par ici. Ok, nickel. Alors qu'est-ce qu'il y a par là? Ouh, ça a l'air d'être un putain de laboratoire là. Ça doit être pas des armes qui testent, mais l'impression qu'ils développent des super humains là. J'espère me tromper. Sinon ça va être la merde. J'ai l'impression qu'ils testent des... Oh, je suis en zone hostile là. Ouais, faut que je fasse attention. Faut que je fasse attention. Les gardes, ils vont pas m'épargner là. Bon, on rentre directement par la gauche. Et... Hop là. Ça va être un peu difficile. Ok, d'accord. Bon, c'était pas la solution, la bonne solution. Là, je sais pas comment je vais faire. Ça va être un petit peu chaud. Je vous l'accorde. Ouais, là, ça va être très très chaud, les amis. On va prendre juste un flingue. Juste un flingue, même comme ça, je vais avoir du mal. Avoir du mal à passer, c'est pas très facile. Ok, on va voir ce qu'ils font eux. Est-ce qu'ils vont rester sur la passerelle? Est-ce qu'ils vont Est-ce que la direction est au courant de ce que nous faisons ici? Laissons le docteur Valentine s'occuper de ça. Ça va être chaud. Ça me dérange pas de plus avoir à travailler sur le canon électrique. Créer une arme pour tuer les Ok, gens, on va passer par c'est mon là. truc, tu vois. Non. Par là, par là, par là. Ouais, je vois bien qu'il y a un... Je suis toujours en jaune aussi, ne t'inquiète pas. Je l'ai compris, ça. Où est-ce que je pourrais trouver un petit costume? Ah ouais, donc il y a bien un scientifique qui s'y habitait. Ah ouais, d'accord, il teste un produit pour les cheveux en fait, c'est pas des super humains ou quelque chose comme ça, mais il teste quand même tout ça sur les humains. Encore raté. Vous êtes vraiment des minables. Reprenez depuis le début et tâchez de ne pas me décevoir cette fois. Tort. Est-ce qu'il va partir il repart par là-bas, ok.
Analysons un petit peu la situation. Ok. Ok, il y en a un là. Par contre, si j'arrive à capturer ce garde, ça pourrait le faire. Il faut juste qu'il parte. Faut juste que ce garde parte à droite là. Je peux l'étrangler et je peux récupérer son costume. D'accord, d'accord, d'accord. Je vois un peu le business qu'on pourrait faire. Ouh, je viens de voir un truc assez intéressant. Pâte à feu, ok. Ok, ok. Ça pourrait être intéressant. Ok, ça va lui faire une belle. Ok, restons à vue. Je pense pas que celui-ci va bouger. Si. Est-ce que tu pourrais bouger? Allez, Francky, bouge, s'il te plaît. Ce mec, il va pas bouger, quoi. C'est un truc de ouf. Et j'ai rien du tout pour l'attirer ici. En fait, s'il bouge pas, ça me causait quelques petits problèmes en fait. Attends, je peux peut-être le faire venir ici quoi. Ok. Ok. Nickel. On va se déguiser. Et hop, on va le cacher directement à l'intérieur. Hop là. Ok. Ouais, ça va être un peu dur. Ok, bon, on va attendre déjà que l'autre se fasse buter. Ok. Le scientifique arrive, il va retester le produit. Et là, à ce moment-là, on va voir sa réaction. Ok, la cible arrive dans la place. Elle va, je pense, retoucher au produit. Voilà, Raymond Valentine. Ta main déjà. Quoi? Il se passe quelque chose. Ça pousse et ça chauffe. Il s'est jeté le mec, ah ouais, ouf. Ah de ouf, c'est un ouf ce mec. Et il est là-bas en plus.
Ok, nickel. Bon, Mr. Valentine. Ouf, ok. Pas mal tout ça. Pas mal, pas mal. Oui, je les ai vus. Ils l'ont amené hier. Une jolie gamine. Monsieur Dexter était là aussi. On parle de Victoria, je pense. Ah, oh, c'est cool ça. J'ai discuté avec les chefs pendant un bon moment. J'avais jamais vu le docteur Ashford aussi excité. Arrêtez ça. C'est parce que vous êtes sûr. Bon, on se voit au combat. Super. Ouais. À plus. Qu'est-ce qui se passe? Ok, nickel. Ok. Tu es encore contrarié à cause de ce que le docteur Valentine a dit tout à l'heure? Laisse tomber. C'est toujours comme ça avec les génies. Ils ne sont pas doués pour les relations nickel. Sociales. Nickel. Alors je sais même pas où je suis. Qu'il soit obsédé par les armes. Je veux dire, un esprit aussi brillant. Imagine s'il s'était consacré à la lutte contre le cancer. Comme on dit, tel père, tel fils. Bon là, il y a rien de très très intéressant. Bon, ça on peut rien faire ici. Je pense qu'on pouvait le saboter, je pense. Mais je pensais. Ça aurait pu être utile. Ok. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Livre d'enregistrement. 7 juin 1986. Le sujet de test Sanchez répond bien à la dernière injection de sérum. Sa masse musculaire a augmenté de 160%. Ah oui, carrément, 160%. Chaud. Ouais, le pont est relevé. Vous pouvez déplacer la cargaison. Ok, nickel. On va passer, continuer à avancer. Faut qu'on trouve notre cible en fait. D'accord. La cible elle est juste là. Pourquoi personne ne m'a informé? Je suis désolé, monsieur, mais j'ai reçu des ordres de monsieur Dexter. Ce Sanchez. Il a débarqué et il a emmené la fille. Il a dit que la sécurité du labo était peut-être compromise. Et que le fils de monsieur Dexter avait été kidnappé. C'est ridicule. Ce n'est qu'un prétexte pour emmener la fille dans une vulgaire marchandise. Blake Dexter ne pense qu'à l'argent. En 15 ans de bio-ingénierie, je n'avais jamais obtenu de tels résultats. Elle est incroyable. Ah bah je sais qu'elle est incroyable, mec. Mais bon, tu vas pas la toucher, Victoria. Pardonnez-moi, monsieur, mais je ne vous suis pas. Peu importe. Vous êtes viré. Sorensen, reprenez le protocole de test. Ok. Alors lui, on va le suivre. On va voir ce qu'il fout, lui. Qu'est-ce qu'il va faire ce type? On va le suivre dans tous les cas. Ne peut que m'être utile. La direction va trop loin. Les délinquants, du coup, c'est une chose. Mais là, on parle d'une jeune fille. Elle a forcément une famille quelque part. Ouais, ok. Je te laisse en parler. Ok, lui. Lui est chaud, lui. On va pas rester là à rien faire pendant qu'il mène des expériences sur des enfants. Qu'on est où là, hein? Dans une usine d'ours en peluche. Aux dernières nouvelles, il y avait écrit. Ah, ok. Clandestin de bio-ingénierie. Faut. Ok, faut que j'avance dans mes objectifs pour. Pour le. Là, pour me casser quoi. Ok. Le truc c'est qu'il est là-bas et qu'il est très difficile à atteindre. Comment je pourrais
comment je pourrais l'attirer. Non, on peut pas. Je peux pas faire ce que je voulais faire. Ok, lui il est là-bas en fait, dans une sorte de zone un peu chelou. Au final, si j'arrive à. Qu'est-ce qui se passe? Activer mon réflexe. C'est un laboratoire ici. Je ne comprends pas pourquoi nous avons besoin de gens comme vous. Voilà. Vous croyez que vous pouvez y arriver ou vous voulez que j'appelle quelqu'un pour vous tenir la main? Prévenez-moi quand ce sera prêt. Ok, bon, on va activer le prototype. Juste après. Ok. Ok, donc faut que je l'active quand il sera là, quoi. D'accord, ça le tuera directement. Nickel, nickel. Bon bah j'ai plus qu'à l'attendre. Et là, ça, comme ça après j'aurai mon... Par contre c'est lui qui va me gaver en fait. C'est comment je vais cacher ce mec là, tu vois. C'est très difficile à cacher un type comme ça. Il va le voir direct, mais ça sert à rien, on va pas le buter. On va juste le tuer avec le prototype directement. Et voilà. Bon, on va attendre... Il va pas tarder de toute façon. Et après avec la seringue, je peux... ouais, je peux les occuper. Donc ça va le faire. Ça va le faire. Il va pas tarder à arriver. Dès qu'il arrive, on active le prototype et c'est fait. En fait, la semaine dernière, je vous ai parlé que j'allais faire des nouvelles vidéos. Tiens, on va en parler un petit peu. Et elles vont bientôt arriver. Ce sera des vidéos, des let's play avec ma face cam, avec fond vert ou non sans mon fond vert. Je vais aussi animer une émission qui parlera des news du mois courant. Et je vais faire plein de petits projets qui vont se développer jusqu'à la fin de l'année 2016. Et comme ça, je vous en ferai part. Je vous en ferai part rapidement, ne vous inquiétez pas. Alors il va attendre qu'il s'assoie. Ok, bah j'ai raté. J'ai raté, désolé les amis. Je parlais, ouais, donc je vais faire mon émission. Plusieurs let's play en face cam. Je voulais faire Evil Within, mais c'est pas dans l'air du temps, on va dire. Du coup, je vais faire d'autres petites choses. Ne vous inquiétez pas. Ma chaîne sera active aussi, bien sûr, Monsieur Dutuki, chez Maker Destiny et chez toute autre structure. Donc maintenant on va essayer de le remettre dans sa petite boîte là. Ça va être assez difficile. Est-ce que là-haut il y a la possibilité? Ça va être assez difficile d'avoir la possibilité de prendre un costume de scientifique. Ok, on va passer comme ça. Ok, nickel. Donc là, on va attendre. Et voilà, les jeux que je vais proposer, je voulais proposer Evil Within, mais je vais pas proposer ça. Je vais peut-être proposer Bioshock Remastered 1 et 2 en first cam. Des jeux indés, ça c'est sûr, des jeux indés qu'on peut finir rapidement, des petites let's play assez rapides. Et je vais vous proposer aussi. Mes temps forts, qu'est-ce que c'est un temps fort? Alors, quand je live, ce qui m'arrive rarement maintenant vu que j'ai un travail, ou quand je joue, je vais maintenant enregistrer tous mes moments forts. Par exemple un putain de kill sur
sur Rainbow Six. Je vais vous faire une compilation de meilleurs kills sur Rainbow Six, pareil sur League of Legends ou des trucs comme ça. Donc il y aura des petites compilations quelques fois dans le mois. Donc franchement, il y aura beaucoup de contenu d'ici la fin de l'année. Et en espérant que mon départ en gendarmerie n'arrive pas trop vite, ou que mon travail n'empêche pas mes projets. Mais normalement non, j'ai fait en sorte que je puisse publier au moins 3 vidéos par semaine, que ce soit au moins un let's play long, un let's play court. Vous inquiétez pas, je lâcherai jamais ma chaîne, mis à part s'il m'arrive quelque chose de malheureux. Mais ça, nous ne portons pas la poisse, ce n'est pas le but. Donc on va attendre que le Mister là, il arrive là. Et moi je vais attendre d'activer le prototype, de le tuer. Ça va attirer tout le monde et je vais me cacher juste derrière cette chaise. Voilà, comme ça, en mode il y a pas, je suis pas là. Enfin bref, attendons qu'il arrive et bousillons lui les boyaux avec sa machine prototype là. Mais n'hésitez pas aussi par commentaire à me dire le let's play qui vous intéresserait, sachant que j'ai un petit let's play surprise pour vous en octobre. Et je pense que ça va vous faire plaisir, sachant que c'était un peu la même base que mes vidéos du début. C'est-à-dire, mes premières vidéos, c'était du Metal Gear. Donc je pense que vous pouvez un petit peu voir ce que je pourrais proposer. En tout cas, c'est pas Metal Gear 4, ça je vous le dis direct, j'ai pas fini le let's play. Et c'est très long, un Metal Gear 4 à faire, sachant qu'il y a beaucoup de cinématiques, que ça se passe sur PS3, qu'il faut que je fasse beaucoup de travail dessus. Sachant que enregistrer sur PS3, c'est pas facile du tout. Allez hop. Il est mort. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Hop. On peut se casser, je pense, les amis. On a fait notre taf. Et le docteur Ashford, il est mort. Mais mort d'une façon vraiment bien atroce. Ok, donc on va pouvoir se casser. Ah, ce pont il est loin. En tout cas, je voudrais pas tomber. Allez ma poule. Nickel. Ok. Oula, alors là je sais pas où je suis. Ah ouais, là, ah si, c'est les trucs sur Victoria. Lire l'enregistrement d'Ashford sur Victoria, tiens, hop. À première vue, le sujet est une adolescente tout à fait normale. Mais les premiers résultats des tests semblent prouver tout le contraire. Attention toutefois à ne pas tirer de conclusion hâtive. Je dois attendre les résultats des analyses ADN. Le sujet surpasse mes attentes les plus folles. Ces résultats sont incomparables à tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. En dehors des légendes qui entourent les travaux du docteur Horkmeyer, personne n'avait poussé la modification génétique aussi loin sur un être humain. Mes propres travaux sur Sanchez ne tiennent pas la comparaison. Je dois admettre qu'il est difficile de garder une véritable distance scientifique. Cette opportunité, j'en ai rêvé toute ma vie. Mais je crains que Blake Dexter n'essaie de vendre la fille au plus offrant, sans me laisser le temps d'analyser l'étendue de ses capacités. Dexter est incapable de voir plus loin que le bout de son nez. Il ne porte aucun intérêt à la science. Je dois me dépêcher de réunir un maximum d'informations tant que j'en ai la chance. D'accord, ouais, il a essayé d'examiner Victoria et en fait Dexter voulait le vendre directement.
Ok, bon, dans tous les cas, moi ça me sert à rien. Je vais tout détruire. Sachant que faut que ce laboratoire soit détruit. Ok, nickel. Bon, ça tout est niqué. Non, je peux me casser, je pense. Directement. Ouais, voilà, je me disais bien, la musique a été assez rapide. Accroît davantage les ouvertures de combat rapprochées et réduit le temps dont a besoin pour maîtriser ses victimes. Ah, sympa. Là, j'ai fait ombre. Donc, c'est bien, bien avancé, assez silencieux. J'ai fait pas mal de points. Voilà, on a bien. Cette partie, on l'a bien gérée. Ça, c'est cool. Et du coup, on se retrouve rapidement pour la suite.